Salut à tous. Alors aujourd'hui nous sommes aux falaises des Côtes Noires, donc à surtout ne pas confondre avec les falaises des Vaches Noires, parce que les falaises des Côtes Noires, ça se trouve en Champagne-Ardenne. Comme vous pouvez le voir là, je marche sur les falaises. Donc on vient ici pour chercher des restes d'ammonites et des restes de crustacés décapodes dans l'Albien, dans les couches, dans le sédiment de l'Albien. Donc on peut en trouver pas mal quand on sait où chercher. Donc je tiens à préciser quand même que ce gisement est vraiment dangereux quand on n'a pas d'expérience sur des terrains comme ça, parce que c'est très glissant, ça peut être c'est très pentu, la descente pour arriver à la falaise est vraiment dangereuse. Donc je vous déconseille ce gisement si vous n'êtes pas expérimenté en terrain. Et parce que il faut savoir qu'il y a déjà une personne qui est déjà morte ici, donc voilà. Donc faut vraiment si vous n'avez pas d'expérience, n'y allez surtout pas. Bon, là vous avez ce qui ressemble à un morceau d'ammonite complètement défoncé, mais ça veut dire qu'il y a quand même de l'ammonite ici. Et peut-être des gros, parce que vu là c'est un morceau de tour et quand même assez gros. Donc on peut probablement trouver des grosses ammonites. Bon, avec beaucoup beaucoup de chance je pense, mais bon. Hop, là il y a une ammonite. Par contre après elles sont hyper fragiles, parce que bon, pyrétisées et tout. Mais regardez. Hop. Plutôt pas mal. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Après, je pense que quand je vais nettoyer, il y a des morceaux qui vont partir malheureusement. Parce que ici, c'est pas mal altéré. Là, toujours finalement au même endroit. J'ai un bélemnite. Un tout petit bélemnite. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Mais voilà. Donc là, vous voyez, hop, c'est une carapace de crustacés décapodes. Donc je sais pas, je vais le nettoyer parce que c'est vrai qu'on ne voit pas trop, mais voilà. Plutôt sympa. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, vous voyez, j'ai longé tout ça, j'ai rien trouvé. Puis là, je suis sur une petite zone et il y a plein de trucs. Ah, il y a une ammonite là. Ah, et par contre, il y a un côté qui est vraiment abîmé. Mais le côté, ça va encore. Regarde, ça n'a pas d'autres. Non, voilà. Encore une petite ammonite. Regardez ici. Hop. Encore un morceau d'ammonite déroulé. Je sais pas si vous voyez bien. Plutôt bien, plutôt beau, ouais. Bon, malheureusement, il n'est pas entier, mais c'est toujours sympa d'avoir ça. Là. Hop. Encore une ammonite. Par contre, assez abîmée. Mais encore une ammonite. Voilà. Là, vous voyez, vous avez une concentration de quelques ammonites. Là, j'aurais espéré que ce soit un crustacé, mais apparemment non. Mais bon, là, vous avez un gros morceau d'ammonite, je vais pas le garder. Hein. Mais par contre, il y a celui-là qui est plutôt pas mal. Hop, voilà. Ah, quoi que, ouais, vachement abîmé, mais je vais quand même le prendre. Et l'autre qui est là. Par contre, lui qui est abîmé, donc je vais le laisser. Donc voilà. Je vais continuer parce que ici. Ah, il y a là. Quand je parle d'ammonite, là, hop, vous avez un autre morceau qui pareil, qui est très abîmé. Mais voilà quoi. Donc là vous avez une petite concentration d'ammonite par ici, donc c'est pour ça que je fouille dans ces petites zones. Et éventuellement vous avez peut-être aussi des restes de crustacés. Là je vous montre, j'ai encore trouvé une carapace de crustacés. Donc vous voyez. Et franchement celui-là il est magnifique. Vachement bien conservé quoi. Donc je vous montre avec l'eau, sur l'eau comme ça. Dans cette zone qui est vraiment magnifique. Donc voilà. Encore un morceau de crustacé, je sais pas si vous voyez, voilà. Là vous avez encore un morceau de crustacé, je vais essayer d'enlever avec la branche, voilà. Heureusement celui-là il est pas complet comme l'autre, mais là j'ai une petite zone à regarder là. Assez galère parce qu'il y a toute la végétation, mais j'ai déjà trouvé deux morceaux de crustacé, il y a plusieurs morceaux d'ammonite, donc je vais continuer. Hop, regardez, là, c'est encore un morceau de crustacé. Bon, vachement abîmé, mais encore un petit morceau de crustacé. Hop. Ah, regardez, j'ai une zone qui est hyper concentrée, regardez. Encore un morceau de crustacé.
Encore une ammonite, par contre celle-là, elle est aussi vachement altérée. Regardez, encore une ammonite. Bon là, c'est le côté-là, est bien parce que je pense qu'il était... Parce qu'il était posé comme ça, dans ce côté-là, il est bien conservé. Parce qu'il est protégé, par contre celui-là, il est vachement altéré. Là, regardez encore une autre ammonite, là. Hop, voilà. Voilà, donc ça va être pareil, ce côté abîmé, ce côté... Oui, pas mal abîmé aussi. Et encore une ammonite. Quand on sait où chercher ici, en fait on trouve plein d'ammonites. Des petites ammonites, mais beaucoup d'ammonites quand même. Oh, regardez là, là il y a une grosse ammonite. Moi bon, c'est pareil, un peu altéré aussi, mais ce côté-là a l'air plutôt pas mal. En nettoyant, je pense qu'on peut bien le récupérer. Elle est vachement jolie. Elle est plutôt grande par rapport aux autres. Ce qui est plutôt cool. Ah, regardez. Là. Si j'arrive à la voir. Oh la vache, c'est bon. Encore une ammonite. Bon. Ce n'est pas un bélimnite. C'est une balle, sans doute. Probablement. Hein, parce que ici, je vois pas pourquoi on aurait des balles comme ça. Mais de la Seconde Guerre mondiale. Ça ressemble en tout cas. Après, il faut nettoyer, c'est sûr, mais de la forme comme ça, aussi assez régulière, ça doit être ça. Encore, hop, encore une ammonite. Bon, elle est vachement abîmée, faut que j'enlève les cloportes. Et malheureusement, les premiers tours, ils sont complètement abîmés, mais bon. Alors voici un peu le résultat de ce que j'ai pu trouver dans la journée. Donc voilà, donc on peut le voir, il y a majoritairement des ammonites, mais on a aussi beaucoup de restes de crustacés décapodes. Et tout à droite, vous avez les bivalves. Donc on va commencer tout à gauche. Donc ici, là, ça, c'est le bois fossile. Donc j'ai trouvé un gros morceau, comme vous pouvez le voir ici, assez quand même bien grand. À côté, vous avez un autre qui est plus petit. Hop, voilà. Donc encore du bois. Là, vous avez tout ce qui est crustacé. Donc le plus beau, comme je vous l'avais dit, je vais le montrer en détail, c'est celui-ci. Pouvez voir, il est vachement bien conservé. Regardez surtout l'autre côté, regardez, hop. Il y a encore une patte qui est plutôt, elle est pas complète, mais un morceau de patte encore en connexion avec le reste de la carapace. Ce qui est assez peu courant dans ces gisements. Ou en tout cas, moi je l'ai déjà trouvé, c'est la première fois où j'arrive à vraiment trouver en plus de la carapace et les pattes qui vont avec, aussi bien conservées. Donc là, vous avez les ammonites. Donc là, vous avez les plus grosses qui sont ici, qui sont quand même de bonne taille. Plus ou moins bien conservées, il y a certains côtés qui sont bien conservés, d'autres moins. Et donc c'est assez varié au niveau des espèces. On a là, je crois que c'est là, celle-là, c'est les mêmes espèces. Faudrait que je vérifie. Et par contre, après les autres, il y a des espèces différentes. Donc ouais, celui-là, je crois que c'est la première fois que j'en trouve un comme ça. Cette morphologie ne me dit rien. Faut que je vérifie avec ce que j'ai déjà en collection. Mais cette morphologie, en tout cas, ne me dit pas grand-chose. Au-dessus là, vous avez les ammonites déroulées. Comme vous pouvez le voir là. Mais le plus beau dans les ammonites déroulées, ça reste celui-ci. Au niveau de sa conservation. Parce que c'est vrai que celui-là, je le trouve vraiment magnifique quand même. On voit bien les petites épines, au niveau de sa morphologie. C'est
C'est assez peu courant comme ça. On termine là par. On termine. Donc, par les bivalves. Donc là, vous avez un bivalve encore avec, dans le sédiment. Donc là, il faut que je mette un petit coup de résine parce que je pense que quand il va encore plus sécher, il va peut-être partir en morceaux. Là, vous avez les moules internes de bivalve. Comme je l'ai dit, qu'ils sont assez esthétiques, mais bon, au niveau d'identification, ça reste très difficile. Là, vous en avez un autre. J'ai oublié ça. Ça, c'est un corail. Où la surface du corail est vachement abîmée, mais ça reste un corail. On a surtout l'intérieur qui est conservé. Et on a les bélimnites. Comme j'ai dit, hop, mes petites bélimnites. J'en ai trouvé deux. C'est moins courant que les ammonites, par exemple. Et pour terminer sur du non fossile, nous avons la balle de la Seconde Guerre mondiale. Je suppose la Seconde Guerre mondiale. Après, je m'y connais moins en histoire qu'en paléontologie. Donc voilà à peu près le résultat de cette journée de fouilles. Donc plutôt content de moi d'avoir trouvé tout ça, surtout pour les crustacés. Et sur ce, je vais vous dire à plus. Et une prochaine fois pour une autre vidéo, j'espère sur un autre terrain, j'ai d'autres terrains en tête. Et donc je vais vous faire découvrir d'autres terrains, on peut trouver des choses aussi assez sympas. Sur ce, je vous dis à plus.